Bien avant Sonic, Sega a pu compter sur un drôle de petit bonhomme. Peu charismatique, il n'a jamais pu supplanter le plombier moustachu de Nintendo, mais rares sont les personnages à avoir connu autant de jeux et de gameplay différents en si peu de temps. Bien que totalement tombé dans l'oubli, le brave Alex Kidd, qui s'écrit avec 2D, a pourtant émerveillé les possesseurs de Master System, la console 8 bits de Sega. C'est en 1983 que Hayashida Kotaro, alors en recherche d'emploi, rejoint le département Research and Development de Sega. Un temps intéressé par Namco, c'est finalement chez le spécialiste de l'arcade qu'il débute sa carrière. Avant d'imaginer son héros bondissant, Hayashida Kotaro, qui se fait aussi appeler Osale Kota, va travailler sur des titres SG-1000, la toute première console de la firme. En septembre 1985, Super Mario Bros. Voit le jour et son succès est tel qu'il ne peut laisser Sega insensible. On confie alors une mission d'envergure au jeune japonais. Créer un jeu qui égale voire surpasse le phénomène de Nintendo. Avant de s'appeler Alex Kidd, le jeu avait pour nom de code Miracle Land et ressemblait à un action RPG. Puis en cours de production, l'équipe a effectué un virage à 180 degrés pour singer la concurrence et développer un pur jeu de plateforme. Alex Kidd in Miracle World est né. Bien qu'il soit facile de le comparer à Super Mario Bros., Alex Kidd in Miracle World n'est pourtant pas exempt de nouveautés. Chaque niveau est l'occasion de profiter des multiples talents du héros de Sega. A l'aide de son énorme coup de poing, le petit Alex peut se farcir moult ennemis, mais aussi briser les blocs qu'il croise. Ces derniers, décorés d'une étoile, cachent des sacs d'argent, dont la contenance peut varier du simple au double. Dans certains stages, un passage en boutique permet de récupérer différents véhicules. Ainsi, dès le second niveau, Alex peut grimper sur une moto et rouler sur tout ce qui bouge en traversant le décor à vive allure. Plus loin, l'avatar monte à bord du petit copter, un hélicoptère à pédales capable de tirer des projectiles. Et si le joueur parvient à résister à la difficulté de l'aventure, il aura le plaisir de braver les mers à bord d'un bateau. Alex Kidd in Miracle World n'est pas forcément un jeu original, mais il a le mérite d'être varié. L'argent récolté offre aussi la possibilité d'accéder à différents pouvoirs, comme celui de l'invincibilité, très pratique pour débusquer des passages secrets, ou de la lévitation. Le jeu distille ainsi tout un tas de petites idées rafraîchissantes et ses combats contre les boss restent cultes. Si certains affrontements sont des plus classiques, d'autres font appel au principe du Shifumi, communément appelé pierre-feuille-ciseau dans nos contrées. Techniquement au point et visuellement très coloré, Alex Kidd in Miracle World propose également des environnements variés. Montagnes, lacs, grottes, forêts, toutes ces zones sont remplies de mystères. En dépit d'une inertie trop prononcée et de collisions perfectibles, le jeu de Sega est un incontournable de la ludothèque Master System. Et pour ne rien gâcher, les musiques sont vraiment réussies. L'éditeur ne s'y trompera pas, et intégrera d'ailleurs le jeu dans la plupart des Master System et surtout des Master System 2 à compter de 1990. Sa popularité va alors aller crescendo, et Sega va lancer toute une série de jeux à la gloire du protagoniste. Deux ans après Alex Kidd in Miracle World, l'éditeur japonais réalise un portage Master System du jeu d'arcade Alex Kidd The Lost Stars. Dans cette aventure, bien moins agréable à l'œil visuellement que l'original, Alex doit partir à la recherche d'artefacts planqués sur différentes planètes. L'originalité de cette cartouche est de proposer une barre d'énergie qui n'est autre qu'un timer. Il ne faut donc pas traîner en route en gravissant les obstacles et en supprimant ou évitant les ennemis. Depuis qu'il est devenu prince du Miracle World, le héros n'utilise plus son poing mais possède une attaque à distance. Le tout, très linéaire et dirigiste, est bien en deçà de son modèle. Malgré une animation correcte et des voix numérisées étonnantes pour le support, le jeu manque de pêche et sa direction artistique peine à convaincre. Comme si cela ne suffisait pas, il faut se farcir l'aventure à deux reprises, la seule différence venant des niveaux plus corsés. Assurément une production à oublier malgré ses environnements variés et ses adversaires totalement barrés. On se demande ce qui est passé par la tête des développeurs. Entre deux aventures, Alex a pris le temps de souffler et s'est offert un peu de bon temps avec une cartouche exclusive au Japon. Intitulé Alex Kidd BMX Trial, ce jeu s'appuie sur la discipline sportive éponyme et se pratique à l'aide d'une manette spécifique munie d'une molette, le paddle control, indispensable pour contrôler le personnage. Techniquement correct, la cartouche exploite le style des graphismes d'Alex Kidd in Miracle World. L'ensemble est coloré, agréable à regarder et affiche de jolis sprites, qu'il s'agisse du héros ou des protagonistes qu'il croise. Le but est simple, il faut éviter les obstacles qui parsèment la route tout en parvenant à contrôler la trajectoire du vélo. Sur la piste, on trouve des accélérateurs, des tremplins, tout comme des bonus et certains passages méritent le coup d'œil.
Malgré cela, le jeu manque d'intérêt et la durée de vie n'excède pas la demi-heure, la faute à un nombre très limité de parcours. La seule escapade sportive de l'ancienne mascotte de Sega ne marque pas les esprits et on comprend aisément pourquoi le titre n'a pas vu le jour en Occident. De toute façon, il se serait probablement gamélé. Alex Kidd Hi-Tech World reste un mystère pour la plupart des possesseurs de Master System. Dans ce titre mélangeant RPG et action, le bonhomme aux grandes oreilles doit trouver le moyen de se rendre à la salle d'arcade avant qu'elle ne ferme ses portes. La première partie du scénario se déroule au cœur du château de ses parents. Via une multitude d'énigmes, le joueur doit trouver le moyen de récolter tous les fragments de cartes permettant de connaître l'itinéraire. Seulement voilà, pour y parvenir, il va falloir discuter avec beaucoup de personnages et fouiller dans les moindres recoins de la grande bâtisse. Sympathique au premier abord, ce titre a valu à la Hotline Sega de recevoir de nombreux appels à l'époque. Les joueurs désemparés se retrouvaient très souvent bloqués à cause de secrets tirés par les cheveux. Par exemple, il faut entrer et ressortir plusieurs fois d'une pièce pour que des individus indispensables à la progression fassent leur apparition. Il faut aussi répondre à une série de questions, utiliser l'annuaire téléphonique, remonter l'horloge ou encore récupérer un deltaplane pour s'enfuir du château. Sacré programme. Lors de la seconde partie réservée à l'action et à la plateforme, Alex doit éliminer des ninjas à l'aide de shurikens afin d'atteindre le village. Les assauts ennemis sont difficiles à anticiper et l'inertie du protagoniste n'aide pas à savourer pleinement ce passage. La dernière partie du jeu se découpe de la même manière, avec une phase RPG et une séquence dédiée à l'action. Lors de cette ultime session d'énigmes, il est possible d'obtenir le droit de passage à la salle d'arcade en allant prier 100 fois devant l'autel. Les Japonais avaient décidément de drôles d'idées. Nombreux sont les joueurs à estimer qu'il ne s'agit pas d'une aventure représentative des exploits d'Alex Kidd, et ils ont raison. Tout comme la version occidentale de Super Mario Bros. 2 découle de Doki Doki Panic, Alex Kidd Hi-Tech World est un maquillage de Anmitsu Hime, l'adaptation d'un manga inconnu dans nos contrées. Pour les moutures européennes et américaines, Sega a tout simplement repris le jeu de base en modifiant les sprites et les textes. Une solution de facilité pour un titre qui n'a pas connu un grand succès. En 1989, Alex Kidd fait le saut de la génération 8 bits à celle des consoles 16 bits. Développé spécialement pour la Mega Drive, Alex Kidd in Enchanted Castle renoue avec les origines du personnage. Très classique dans son déroulement, ce jeu d'action plateforme a connu un développement rendu complexe par l'absence de hardware. En effet, durant les premiers mois de conception, l'architecture de la Mega Drive n'était pas finalisée, si bien que les programmeurs ont dû travailler à l'aveugle. Dans une interview, la productrice Kodama Reiko révèle qu'ils n'ont ainsi pas pu exploiter une palette élargie de couleurs ou une multitude de protagonistes. C'est ce qui explique la faiblesse technique de l'ensemble, malgré l'apport de la 16 bits de Sega. Dans cette énième aventure, le héros doit sauver son père, retenu prisonnier sur la planète Paper Rock. Dès les premiers instants, on retrouve un gameplay assez proche d'Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd peut sauter et utiliser des coups de poing et des coups de pied. En chemin, il ramasse des pièces d'or et des sacs d'argent qui lui permettent d'accéder, tout comme sur Master System, à différents véhicules et pouvoirs. Si l'aventure s'avère plaisante, on ne peut pas en dire autant de la maniabilité très mal réglée. Les problèmes de collision avec les ennemis sont légion, et les déplacements sont assez désagréables avec un personnage qui glisse. Comme si cela ne suffisait pas, les phases réussies sur Master System, comme l'utilisation de l'hélicoptère, sont plus que perfectibles sur Mega Drive. Malgré ses tares, cette cartouche reste appréciée des fans d'Alex Kidd, mais aurait mérité un meilleur traitement. Comme son nom l'indique, Alex Kidd in Shinobi World prend place dans l'univers du célèbre ninja de Sega. A l'origine, ce jeu destiné aux plus jeunes portait le nom Shinobi Kid et avait pour héros un jeune garçon. Ce n'est que bien plus tard, au cours du développement, que les développeurs ont décidé d'intégrer Alex Kidd dans le processus. Cette technique d'infantilisation d'une licence avait libre cours dans les années 90. On se souvient par exemple de Kid Dracula pour la série Castlevania de Konami. Pour Alex Kidd in Shinobi World, l'intention est la même. Permettre aux plus jeunes de vivre les aventures du ninja, mais avec un ton plus léger et plus coloré. Mélange d'action et de plateforme, la cartouche reprend certains décors de l'œuvre originale, mais aussi quelques mélodies emblématiques. Pour vaincre ses ennemis et ainsi sauver sa petite amie, Alex Kidd doit progresser à travers une douzaine de niveaux et résister à de nombreux boss, tous issus du jeu Shinobi, mais en plus amusant et ridicule. Pour sa dernière aventure, Alex s'en sort honorablement. À cause d'un charisme pas franchement évident, Alex Kidd n'a pas eu les épaules assez solides pour supporter le statut de mascotte. Il sera remplacé dès 1991 par le hérisson Sonic et s'effacera peu à peu des mémoires. Longtemps cantonné aux caméos, comme dans Sega Gaga sur Dreamcast,
Alex Kidd fera une apparition remarquée en tant que personnage caché dans Sega Superstar Tennis, avant de prendre part aux courses des deux excellents Sega et Sonic All-Star Racing. De là à dire qu'il y aura un jour une nouvelle aventure le mettant en scène, il n'y a qu'un pas que nous ne saurions franchir, mais au moins, il tente encore de subsister presque 30 ans après sa naissance.